Cet imposant bâtiment regorge en son sein tout le Cameroun en miniature. Situé près du lac municipal de Tchan, le musée des civilisations est un joyau architectural qui offre au-delà de son côté esthétique indéniable des espaces qui mettent en exergue les quatre aires culturelles du pays. Des richesses touristiques qui malheureusement depuis quelques mois subissent le diktat imposé par le coronavirus. Actuellement, comme toutes les autres structures, le musée des civilisations en a souffert et continue d'en souffrir parce que, voyez-vous, parlant de tourisme, il faut bien que les gens puissent se déplacer pour atteindre les points de chute où ils devraient faire leur délectation ou leur découverte. Alors, sur ce prisme-là, le musée a été sérieusement frappé par cette pandémie. Les déplacements étant désormais limités pour les touristes étrangers, les étudiants de la cité climatique constituent les seuls visiteurs du musée, lequel répond d'ailleurs à toutes les attentes, quelles que soient vos origines. Personnellement, je me suis retrouvée en ce qui concerne ma culture à moi. Chaque pièce partage un certain esprit. Par exemple, quand nous trouvons dans le peuple Sawa, les murs également, nous font comprendre effectivement que nous nous trouvons dans cette culture-là. Peut-être c'est peint en bleu, également le plafond est différent. Quand nous sommes dans le peuple du Nord, nous nous retrouvons dans une pièce totalement peint en jaune, par exemple, qui nous renvoie au sable, au désert, à la sécheresse. C'est vraiment quelque chose de très beau. De quoi encourager les responsables du musée à plus de dynamisme et d'inventivité dans le but de maintenir le cap. Nous avons très prochainement une grosse exposition qui porte à relooker cette exposition qui date de 10 ans. Donc avec des œuvres majeures qui entreront dans l'espace muséal qui est celui du musée des civilisations. En attendant les nouvelles expositions annoncées pour le mois de décembre prochain, les visiteurs actuels peuvent également s'imprégner de l'histoire du Cameroun, tout comme le programme baptisé Route des Chefferies qui permet de faire incursion dans nos réalités profondes. Construit à Tchan depuis 2011, le musée des civilisations contient de nombreux atouts culturels qui méritent d'être explorés à sa juste valeur.